Vous allez bien? En tout cas, moi, aujourd'hui, ça va super. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ouvre la petite Popsy qu'on avait pris chez... Jiffy. Chez... Donc, on fait... Coucou tout le monde, j'espère que tout me va bien. En tout cas, moi, aujourd'hui, ça va super. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Popsy qu'on a acheté à Jiffy. Si vous remarquez qu'il n'est pas énorme, oui, ce n'est pas, c'est normal, ce n'est pas la licorne. C'est le rouleau pour faire le slime en fait. Et du coup, là-dedans, là, tout, là, les porte-clés, les petits poissons. J'enlève le plastique et on se retrouve juste après. Let's go! Alors, voilà ce que ça donne une fois tout déballé. Alors, tout pour commencer, on va devoir tirer cette petite étiquette là. Et on va tirer petit à petit. Alors, première surprise, ça va être... Ah, en fait, c'est un autocollant. Alors, première surprise, c'est du... Je sais pas, c'est... Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est du... Alors là, nous avons de la nourriture de licorne. Alors voilà ce qu'elle donne. Moi, je trouve ça vraiment trop beau. La prochaine surprise est... Et maintenant, nous avons la magie de licorne. Que je trouve vraiment, le sachet aussi, très joli. Prochaine surprise. Et la prochaine surprise est... Ah! C'est... Ah, bah c'est quoi ça? C'est trop bien. J'ai trouvé. C'est du parfum licorne. Et comme je savais... Comme c'était écrit en anglais, j'ai demandé à maman. Alors, prochaine surprise, c'est... Ah! C'est... Oh, c'est quoi ça? C'est de... Alors ça, c'est la petite cuillère. Alors, j'ai aucune idée sur quel thème va être ma petite nourriture. Ah, ça y est, on a fini. Bah, ça y est. Je sais pas s'il y a quelque chose dedans, hein. Je découvre. Oui, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. La plaque surprise. J'avais oublié qu'à l'intérieur, elle avait plein de petites surprises. Parce que oui, je l'avais vu dans une autre vidéo de Madame Cricré. Ah, c'est un peu bloqué par contre. Parce que, comme je vais vous montrer, il y a plein de cadeaux. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, ce n'est plus marqué. Bon, bah écoutez, on va découvrir avec vous. Ça, ça doit être... je ne sais pas non plus. On verra. Ça, je ne sais pas non plus. Alors ça, c'est la petite petit papier pour vous dire comment ça marche. Ah oui, et après là, ça, ils vous montrent tout ce qu'il y a à collectionner. Alors moi aussi, je vais vous le montrer, je ne vais pas vous le cacher. Il y a tout ça. Tout ça. Alors c'est parti. Bon, alors je vais ouvrir la cuillère hors caméra. Alors ça, c'est la licorne. Et je trouve qu'elle est vraiment vachement belle. Et c'est la première fois que j'ouvre ça. Ensuite, on va passer à celui-là. Qui est un petit bureau et je pense que c'est le meuble. Et ça fait bien raison. Tout bleu. Alors ça, c'est quoi? Le hamburger ou si c'est le hot dog. On verra ça. Alors, ensuite, je pense que maintenant, c'est bien le mug. Oula, et c'est bien le mug. Et je ne sais pas lequel j'ai. Ah, d'accord. C'est le Popsy. Il se présente comme ça. Et c'est hyper bien fait. Il est trop beau. Alors,
Alors d'abord, il va falloir remplir ce petit mug. On y va. La deuxième tasse. Et maintenant, on va rajouter du parfum. Et je pense que c'est ce paquet-là. Alors, on va voir. On ne sait pas. Ça peut s'arrêter. D'après Nadej Control, il paraît que ça pue. Alors, on va voir, hein, je sais pas. Après, c'est sec, hein, c'est du goût. Je trouve pas que ça pue. Alors, il faut faire mettre 5 gouttes. 1. 2. Alors, maintenant, il faut ouvrir le petit paquet de nourriture de licorne. Et on va verser ça tout de suite. C'est hyper bizarre. Il faut fermer le gobelet et le secouer, mais je préfère quand même passer un petit coup de cuillère. What? C'est hyper bizarre. Alors voici ce que ça donne. Et en fait, je l'ai compris. C'est pas en dehors du slime que... C'est pas le parfum qui pue. C'est quand il est dans le slime que ça pue en fait. Ça pue. Alors, je pense que c'est bon. Allez, maintenant, on va checker. Et après, on se retrouve juste après. Tout le patatouille. Allez, à tout à l'heure. Alors, maintenant, en attendant, je vais vous montrer le petit caca. Alors, le petit caca, il se présente comme ça. Voici sa petite tête et c'est un chien. Et derrière, c'est tout simple, c'est tout jaune et marron. Ça, c'est le petit crochet pour l'accrocher. Et ça, c'est le dessous. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Voilà comment c'est à l'intérieur. Tout marron. Et ça pue plus qu'autre chose. Et ça sort fort en plus. J'ai un petit aveu à vous faire. On a dû couper parce que j'avais plus de batterie. Mais en tout cas, le slime n'a pas touché. Mais il a dû rester 2 heures dans le pot. Et je dis bien 2 heures. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est ouvrir le pot. Prendre le slime. Ouf, j'ai de la chance, il est sec. Alors voilà à quoi il ressemble. Très très marrant. Alors tout d'abord, on va l'étaler sur la table. Bien l'étaler. Oula, c'est un petit peu dur, il n'est pas trop comme les autres. Ah, c'est que le moins. Et on va faire la dernière étape parce que notre slime n'est pas tout à fait assez terminé. Et oui, il manque la poudre de licorne. Alors voilà à quoi elle ressemble. Alors maintenant, c'est parti, on va l'étoiler. Étaler. Oh, c'est trop beau et en plus ça brille. Maintenant, je suppose qu'il faut mélanger. Alors maintenant, voilà à quoi ressemble mon slime. Il y a une clémentine. Ah oui, d'accord, et en fait, il devient rose quand on mélange bien, il devient rose. Alors, il paraît que l'on a des rares. Mais je ne sais pas si le mien est un rare ou non. On verra après, tout à l'heure, sur la feuille. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ça colle un peu. Et en fait, c'est de la poudre rose. Alors là, vous pouvez voir qu'elle est blanche, mais après, elle devient rose. C'est pas mal, ces trucs, j'aime bien. Ah!
Par contre, ça colle un peu au doigt. Alors, par contre, ça vaut le coup de le faire. Parce que maintenant, regardez bien l'état de mes mains. Ah bah super, je suis un stromfroze. Alors, c'est bon. On a fini de malaxer. Alors, voilà à quoi il ressemble. Par contre, il faut se laver les mains. Et il faut aussi bien malaxer parce que sinon ça colle. Et c'est un petit peu énervant. Mais en tout cas, le résultat est très joli et je l'adore. Alors maintenant, on va vérifier si c'est un rare ou pas rare ou normaux. Alors les cœurs, c'est les normaux. Les étoiles comme ça, ce sont les rares. Et les diamants comme ça, ce sont les ultra rares. Et moi, j'ai une étoile. Moi, elle... Et moi, j'ai un popsy. Alors, on va trouver le popsy. Il est là. Et voyons voir ce que j'ai. J'ai une étoile. Alors, ça veut dire que j'ai un rare. Et on va voir ce qu'ils ont. C'est derrière. Alors, moi, ici, comme vous pouvez le voir, ce sont les ultra rares. Ce sont les parfums des ultra rares. Là, c'est les rares. Ça, ce sont tous nos parfums. Et ça, c'est les normaux. Et moi, je suis rare. Alors, on va voir dans les rares. Et je suis les bulles de savon. Alors, voilà. J'ai eu le popsy. Et aussi, pour manger le slime, un petit chien hot dog. Alors, voici à quoi il ressemble. Voici l'intérieur. Alors, moi, j'ai adoré faire ce slime avec vous. J'espère que j'en referai d'autres parce que j'ai vraiment adoré ce slime. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un max de bruit en commentaire. Likez, partagez et surtout, abonnez-vous, ça nous fera toujours plaisir. Et nous, en attendant, on vous fait plein de gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Hee hee hee.